Le moment est calambay, batu bakufi na stade et ko bouleverser d'autres programmes sur le calendrier. Moi, je crois que Eza Kanelo bana Congo, nul n'est prophète chez soi. Ok. Faire égal à Eza artiste monéne et oyo ba payer belé, ba zo manquer. Exactement. Ba payer belé, ba envier la mission le quoi ba faire. Exactement. Ba talent pur. Bah ça va gêner au Yemba et puis former faire les écoles. Okay. Donc je crois que Congo ils en a promené à bas dirigeants. Vous savez, quand on place des gens à la tête des ministères bas maîtriser les conséquences sont toujours néfastes. Okay. Martyr, il rend toujours hommage à Bandeko Est. Sur aux juifs francophonie devant les autorités étatiques, l'artiste est fait rigolo a compati avec les habitants de l'Est. Sur lequel na Adidas Arena, na entrée à Ferregola, il a commencé par faire un clin d'œil spécial à Bandeko Est. Okay. Donc l'artiste ne vit pas à Goma ni encore à Bukavu, mais en esprit, il communiquera toujours à Bandeko Est. Il communie avec ces gens-là. Alors, on a que Ferra beaucoup de chance. Délivrer des concerts dans Goma, dans Bukavu. Les gens l'apprécient de loin, l'aiment aussi de loin. On avait suivi un projet, pareil, que l'artiste a fallu devait construire une école là-bas. Ok. Oh, soit que Goma a inauguré l'école. Or, qu'il y a Kende a lancé construction. L'école n'a jamais été construite. C'est ça. Il voulait aller et commencer un projet. Vous comprenez? Alors, la bonne manière, c'est l'humilité. Comme quitte ça, quoi bah reçoit ben de quoi est-ce? Moi, pardon, pesar important. Bah font la mitema, bah accepter yo. Yo arena pour le Congolais, et zara d'actualité. Ok. Parce qu'il y a un seul artiste qui l'a joué, c'est Fally. Ok. Mais après Fally, jusqu'aujourd'hui personne. Exactement. Parce que le défi aussi a été lancé que non, avait tapé 40 000 places. Ok. Soit relevé défi wana. C'est le Congo qui gagne. C'est ça. Donc, Kofi voulait jouer U Arena en premier. Ça n'a pas tenu. Fallait profiter à Beta. C'est ça. Mais tu t'avais dit qu'il fallait le premier à le faire, mais il n'est pas le dernier. C'est ça. Exactement. Il est le premier artiste congolais à le faire, mais il n'est pas le dernier artiste congolais. À le faire, oui. Donc, d'autres aussi, ceux qui vont se préparer à Bango, ils peuvent le faire. Ok. Donc, vous allez sentir que les Gaulois attendaient des dates. Ok. Les Gaulois attendaient, en tout cas, ces dates. Okay. Pour eux, peu importe le lieu, peu importe les jours ou l'heure, Bakoya ko contribuer à la réussite à Festigol. Exactement. C'est ça la détermination. C'est ça même, je dirais même, l'esprit positif. Il va fanatique, il y a Papa Hervé Lelo. Reste de vous retrouver, messieurs et dames, en ce net moment sur Afrique Centrale Télévision, Équilibre Télévision, le deux chaînes partenaires, en tout cas qui vous accompagne tous les jours ou tout le temps avec de belles émissions, de belles analyses. En tout cas, réel plaisir est de savoir que vous avez disséminé à travers le monde entier. Beau s'abonner, bien beau s'abonner, beau liker vidéo, surtout beau partager. Bah émission Nabisso, il y a un groupe et ça la force Nabisso. N'ayez au tali, partagez les peines de Koata, la pote beau, il y a un groupe et ça Nabisso aux forces. En tout cas, on va parler actualité, actualité culturelle, actualité musicale. Et puis, il faut que vous ayez été na day. Mon corps, il y a un groupe et tout, qui n'a combien de minutes qui va. Maman présente à Bawarior, à Sili Kokoufa, à Tikibiso, mais trop de polémiques autour de sa mort. On en parlera tout à l'heure avec mon invité du jour qui est Jérémy Lumba. Festival a aussi maintenu. Les nouvelles dates sont déjà annoncées et ma préparative est déjà au Salama. On en parle déjà avec Jérémy Lumba. Merci à Francis Mavimpi depuis Orléans en France et merci à toutes ces personnes qui nous soutiennent. On est ensemble. Bonjour Jérémy Lumba et bienvenue dans cette émission. Bonjour Naomi Yaba, merci beaucoup pour l'invitation. Bonjour également à toute la communauté. Nous voici devant vous. En tout cas, on est là pour répondre à toutes les questions qui nous seront posées tout à l'heure. Alors, merci beaucoup, Jérémy Lumba, déjà de répondre positive à notre invitation. Comment la santé, l'activité, notre chose qui est née ?
Santé à 75%, ça va. Mm-hmm. Il faut qu'on se le dise, hein. Je suis okay. un peu souffrant. Okay. Mais grâce à Dieu, grâce à vos prières aussi, mm-hmm. toujours tenir quand même debout. Mm-hmm. Et puis, Moussala, il y a trop de combats. Bisso, to tel araye sou massia. To boya ba gauche à droite. Mais la réalité de ce monde, comme vous le savez, Marmeza moi belé. Mais ça va, tout va bien. Mais apparemment, santé, on peut oumeli. L'autre fois, la bah, dernière fois, tout ça, quand on a une mission, la santé est dérangée aussi. Mais aujourd'hui, encore la santé. Et il faut tant que tu as la paix, tant que par rapport à environnement hein bisoto ebika tombe sous que kombe ko kozala oui mais nzo tu es appelé comment ebelaka mais il y a des maladies un peu anormales ou peut-être il faut yomoro pour mita là qu'est-ce qui se passe et puis qu'on donne la soin aux traitements à bien sûr on est là on n'est pas on n'a pas croisé les bras okay. spirituellement on continue à prier mm-hmm. et puis sur le plan médicinal aussi tous aux traitements okay. voilà on est quand même à 75% 80% okay. bien mm-hmm. C'est déjà l'essentiel et on va continuer jusqu'au bout. Pour le travail, on est là en tout cas, comme vous le savez, carence cas d'actualité. Okay. Mais on essaie toujours d'apporter quelque chose. Hein. Okay. Na, bah, téléspectateurs, on a biso et on va là. Voilà, alors, malgré carence cas d'actualité, Ndengo Lobby, ce qu'il faut tomber tannant peut-être au état de musique, Jérémy Lumba, depuis tous ces temps, et il n'y a tout regard ni nous a refixé sur la musique de notre pays. Bon, la musique, comme tu le sais très bien, Naomi, Yaba, mm-hmm. la musique est toujours là. Hein? Okay. La musique nous accompagne toujours dans tous les événements possibles. Okay. Musique est bête à Maranango normalement. Mais sinon, la musique est là. On attend les concerts. On attend des dates qui sont annoncées. Okay. Donc, tout ça, la biso normal et plus logique. Quoi. Alors. Festigola, un événement qui a été vraiment attendu par beaucoup de mélomanes de la bonne musique, ainsi que le Golo en particulier. Nous avons tous connu comment est-ce que Makambu Leki, et depuis concert y a Pasteur Mike Kalambay, où on a enregistré de morts en cascade, et d'autres personnes qui avaient aussi leur programme, bah, souffrant qui un peu la décision Oyoyo et Outaki dans le niveau du gouvernement. Alors ils se sont battus jusqu'à ce que Barokabon ait une nouvelle date. Lelo Oyo, Pessibiso déjà ma date, dans l'endroit Oyo Festival de Rosalama, Palais du Peuple, et puis dans le musée national pour le village artisanal. Ma date est allée, bon, les 30, les 31, là, le 1er août. Alors, beaucoup de gens. Le 1er septembre. Le 1er septembre, pardon. Beaucoup de gens disent qu'il aurait peut-être fallu que Ferrigo là, a reporté d'ailleurs pour l'année prochaine. Pour certaines personnes, bah, ils ont déjà perdu. Alors, Jérémy Lumba, en tant que culturel aussi de la musique, côté la Maramo Ninge de Kaki, est-ce que l'hypothèse y a battu ? Et c'est là qui est vraiment évident, tout au Rouikolobani, en fait. Je crois que cette question. Nous a aussi été posé l'autre fois. Okay. L'Isola Festigola, un très merveilleux projet. Mm-hmm. L'artiste Ferrigo a élaboré un projet avec ses collaborateurs. Okay. Bah, soumettre à mon gouvernement congolais, juste pour l'accompagnement, ça pose problème. C'est ça. Alors, Likamama et Kalambay, Batoubakou fin à stade et bouleverser d'autres programmes sur le calendrier. Moi, je crois que. Et ça, quand nous sommes au Congo, hein, nul n'est prophète chez soi. Okay. Ferrigo, l'artiste, il y a payé Bélé, il y a manqué. Il a payé Bélé, il a envie de faire. Exactement. Il y a un talent pur. Il y a un jeune homme qui a été formé, Ferrigo, il y a une école. Donc, je crois que Congo, ils ont la pomme de la dirigeant. Ah. Vous savez, quand on place des gens à la tête des ministères, ils ont maîtrisé. Les conséquences sont toujours néfastes. Okay. Parce qu'il y a un véritable culturel. Il y a une valeur, il y a un festival. Exactement. Tant qu'on a le projet, tu as le projet de début jusqu'à la fin. C'est bénéfique pour le pays. Parce que ça peut aussi attirer les touristes. Ça va attirer d'autres artistes qui n'ont jamais presté à Kinshasa. Bah, il y a pour la première fois. Et après, ils peuvent encore revenir. Façon à Bahom sous privé. Donc, Ferre a voulu quand même faire vibrer Kinshasa. Okay. Kinshasa est comme la capitale panafricaine de la culture et de la musique et des arts même. Et ça, initiative, l'État y est beaucoup de rozoa, saliango. Néomonabagé de la francophonie. Néomonabagé panafricain. Chez nous, au Congo, on n'organise absolument rien.
Exactement. Depuis Maréchal Mouto Tonga ba stade ta Kanya U20 to sala ngote. Eza Angela. Eza Angela maneni. 2029. Au bout de 2019, il y a tous les organisateurs qui ont été déclinés et offrés dans la dernière minute. Donc, le Congo, en fait, notre pays est tellement grand. Le Congo est vaste. Le Congo est un pays qui est bangisaka. Ok. Congo RDC est un pays riche, au cœur de l'Afrique. Mais si on a le Congo, il a joué un rôle en Afrique. Ok. Sur tous les. Non, sur beaucoup de plans. Ok. Si je dis tous les plans, on aurait même soin gire. Mais dans plusieurs domaines, le Congo ne sait pas jouer son rôle en Afrique. Okay. On n'organise rien. D'ailleurs, bravo à le président Fatshi, parce qu'au moins, il y a une image qui charge où on a la francophonie. Mais le financement est où tu as un pays voilà. Membre. Pays membre, financer toujours. Mais la volonté aussi d'accepter cette volonté-là. Okay. Vous comprenez? Voilà. C'est ce qui manquait aussi dans l'ancien dirigeant. C'est ça. Donc le Congo n'organise rien. À ta Coupe d'Afrique, il y a Nzango, tu organises raté. Coupe d'Afrique, il y a Babylon, il y a basket, il y a raté. Tu te dis que là, tu es un parent. Dans ton spectacle, le Morobo était, je dirais, merveilleux dans beaucoup. Ils ont un cas rare. Vous comprenez? Ils ont un cas rare. Taekwondo, même tennis de table, même athlétisme. Donc, tout ça est toujours à côté. C'est ça. Vous comprenez? C'est ça. Alors, quand Ferrego, là, un artiste, un individu, un homme, a eu l'initiative, appelé sa Congo un festival dans la dimension. Il y a Festigo Lawana et puis il a sélectionné Baptiste et Aminene, des renoms qui viendront de partout à travers le monde. Mais ce sont des idées comme ça. Au bout de l'État congolais, il faut en profiter pour accompagner Naïe. Et puis si tu peux valer dans le ministère de la Culture et des Arts. Exactement. Et quand tu peux dans le bilan Naïe, dans le projet Naïe, s'approprier Nango. Mais tu as là-bas combat. C'est ça. Donc, j'ai compris. L'idée était de faire échec à ces projets. Pour nous, peut-être que faire rigolo défier le gouvernement. Non, bah ni l'air au caca. L'idée était, ils ont un caca pour eux, ils ont un inutile. Ils ont un sous repoussé plus tard. C'est ça. Donc, voilà, faire rigolo a pesé de tout son poids. Et l'idée, c'est là-bas que tout. Tout finir dans ma vacances, c'était. Mois d'août au moins, l'événement s'est déroulé. Voilà. L'événement s'est déroulé dans le mois d'août. C'est ça. Parce que c'est la saison sèche. Voilà. Bambou les a ratés, voilà, voilà. Mais jusqu'au bout, l'artiste a trouvé des dates qui sont publiées un peu partout, du 30 au 1er septembre, donc 3 jours de spectacle. Je pense que. Nous ne pouvons que les encourager. Alors. Mais même aussi, comment dirais-je, les lieux aussi ont changé. Ce n'est plus au stade Tata Raphaël de la Pentecôte. Non, au stade Tata Raphaël de la Quétule. Et comme il se trouve, on a parlé du peuple. Voilà. Bon, les formats ont changé. Exactement. Là-bas, ils ont une esplanade. C'est ça. Maintenant, il faut l'équiper, il faut l'aménager, il faut créer les décors. Hein? Exactement. Il faut aussi vouloir les faire aussi enfermer. Exactement. Pour que Batouba Kota n'habille. N'habille et puis base à la sécuriser. Base à la sécuriser. Exactement. Donc vous montrez que le format est changé. Mais ce que j'ai vu hier. Le format a changé, les dépenses aussi ont augmenté. Encore beaucoup de dépenses mais à faire. Mais oui, parce que Nakata Stade de Marty, ils ont tenu compte, il y a édifice déjà construit. Tata Raphaël. Tata Raphaël, pardon. Et Batouba Rosala, sécurité, Rosala, Nande Basala et Maquette. Encadrement. Et l'autre, il y a déjà dans Katia et l'autre, il y a Rukangama. Tandis que Tata Raphaël est plutôt au stade, plutôt. Palais du peuple, Eza, Polele, et Nakati a Polele Nango, il faut maintenant que Luka Nengeni Yakotia Baborne y a sécurité, de manière à ce que la base à sécurité. C'est-à-dire que bon, les dépenses peuvent s'ajouter. Bon, on verra ce que ça va donner. Vous savez, peut-être que bon, on va voir que ça va pas du peuple, les Amabé, et vous avez fait Kitoko. C'est ça.
Mais francophonie, sous-calamé, du pays du peuple. Voilà, ils ont déjà lieu mot touristique. C'est ça. Ils ont lieu au jeunesse Payébi. Il y a des croisades, des prières et salamawana. Exactement. Et avant aussi, il y a eu des concerts à Ouir et salamawana. Exactement. Donc, je crois que les techniciens, les affaires, les designers, ils ont une image positive. Va créer quand même un très bon décor. Okay. On viendra. Alors, certaines personnes parlent Babi et perdent déjà en Ngouma. Non, mais j'ai suivi la publication hier, il y a Laura Tendance. Vous allez sentir que les Gaulois attendaient des dates. Ok. Les Gaulois attendaient en tout cas ces dates. Ok. Pour eux, peu importe le lieu, peu importe les jours ou l'heure, Bakouya qui contribuer à la réussite à Festigol. Exactement. C'est ça la détermination. C'est ça même, je dirais même, l'esprit positif. Il y a fanatique, il y a Papa Hervé Lelo. Ok. Mon détermination, bah, Gaulois, nous avons poussé l'artiste qui est encore plus loin. Plus loin, exactement. Donc l'événement est là. Bino, bah, fanatique, Bisso, les hommes des médias, n'a pas influenceur. Naba communicateur, mutuna mutu asala tâche naie to par naie pour que la réussite soit totale. C'est ça. Alors Jérémy Lemba, Ferrego la Festigo là, c'est vrai que nous tous nous sommes dans cette joie. Il y a un mot d'akelo kwango et salami. Mais Batuba obetali solo. Est-ce que vous gardez kaka même format en termes il y a événement finingezaki. Mais je crois que c'est vendredi bazo lancer billetterie ouverture à billetterie. Ok. Alors Batu siko et singela qui va prester na kati activité. Les artistes sont sélectionnés. Bon, les dates peuvent changer parce que l'artiste va avoir un contrat. Voilà. Il y a un contrat, un calendrier qui bouge à tout moment. Ils appellent comme volonté. C'est ça. C'est une question de volonté aussi. Quand tu vas te rendre compte que nous avons une affaire pour Kinshasa, mais il y a eu des contraintes. Oui, il y a indépendamment à volonté artiste. Vu leur pays, l'État avait obligé ceci, cela. Donc maintenant, la date a été changée. Il y a un calendrier libre. C'est ça. Sans qu'on rate les 30, même les premiers au Rosal. Voilà. Tu vois, il y a la possibilité. Tu as 3 jours. C'est ça. Tu peux rater les 30, et même les premiers. Tu peux être là. Tu viens prester pour soutenir Ferrego là et puis repartir. Donc, je crois que. Mais on a un calendrier peut-être autre. Le programme un peu modifié. On a pu remplacer. Changer. Alors, merci beaucoup Jérémy Lemba, si on peut parler. C'est mon point de vue. Voilà, c'est un point de vue Nayo et peut-être que Baroué qu'on prendra un peu en compte. Tom Soupeza Yangualandenge et Kosalama, peut-être que vous avez juste prédit avant que tout le monde ait réalité sur très le bien. Terrain. Alors, Ferrego là, Bisso Tozaki l'émission à Outuko de Kabisso, certainement il est en train de se rendre la Bukavu, Bisikawa puis Oyo, il faut qu'il abeta ma concert Nayo le 24, on a le 25. Fali Poupa venait aussi d'être là. Dans STAPI, il était à Goma, il était aussi à Bukavu, justement pour notre concert. Alors, qu'est-ce que tu peux dire par rapport à un mouvement au artiste et au sala, par rapport à la sollicitation à la carrière là-bas? Non, non, ça fait plaisir quand on voit Ferrego là, par exemple. Il a 2 dates à Bukavu, le 23 et le 24 à Bukavu. Et ça va concert à Mbongo, et ça va contrat. C'est ça. Donc, l'artiste est sollicité, il est recommandé un peu partout. Nous avons même dans ma province. Déjà récemment, il y a, je vois la semaine passée, il a livré un concert privé à Brazzaville. Voilà. Donc voilà, c'est ce qui fait la force de l'artiste. Il est un peu partout, il est écouté, il est demandé. Et tout ça, c'est grâce à l'album Dynasty. Voilà. Vous comprenez? Okay. Donc l'album Dynasty, ils allient le meilleur projet à faire rigoler parce que il peut signer un contrat un peu partout à travers le c'est monde. Ça. Et puis ça continue toujours, le contrat continue toujours à pleuvoir. Et c'est la meilleure saison de l'artiste. C'est son temps. Et ça, époque naïe. Et il faut le soutenir. Et je crois qu'il peut parfois saisir l'occasion, voilà. À saisir l'opportunité. À marquer, à marquer ma point. Et ça fait toujours plaisir. Alors, Jérémy Lemba, la date pour ING Arena a été aussi annoncée pendant qu'on attendait
la tennis, il y a Festigola. On avait aussi annoncé date pour la ING Arena. Après, les acquis supprimés, tu as un message. Il y a ça la ING pour nous dire que non, bah, on paie sa date pour sous sous la bamikolo et d'accoya. Mais tu as dit, ah, pour la moukatomoni, Ferigola a annoncé la bisouabi dans 48 heures, il y aura une annonce spéciale. Alors, les gens sont en train de se poser des questions. Quelle sera cette annonce? Alors, dans le système, toujours, il y a battu à Rouka Loukanassé, à l'objet, Ferigola veut nous annoncer la date pour U Arena. Parce qu'il va commencer par la grande salle U Arena. Alors, ce qui est à la U Arena, est-ce que ça sera une annonce spéciale? D'autant plus que son adversaire, Fali Poupa, avait déjà joué la Kata Saloua. Bon, avant tout, je tiens à dire merci à Godé Mbembe. Il y a Godé Mbembe, Vena Bissot. Grand frère Bagalor Mbembe n'a pas essayé Mbote Sigazali. Alors, je crois que j'ai vu la publication hier. Exactement. L'artiste Ferigo l'a annoncé, je crois, dans deux jours. Mm-hmm. Il va nous donner une surprise. Tout ça, bah, Congolais, hein? C'est ça. Nous sommes aussi des mélomanes. Hein? Mm-hmm. Nous consommons leur musique. Ce qu'ils annoncent, Moko, Oero, Sepelissa, public. Parce que les gens voulaient que Ferigo l'a à maximiser, je dirais, chance naïe. Okay. C'est le moment où il y a Europe et Saba. Bah, concert par-ci, par-là, ou au CP Samokili. Alors, s'il est quand même conscient de cette responsabilité, à rendre public à censeur, que voilà, je suis capable aujourd'hui, n'a fait rigola, n'a pas été concert dans le Parc des Princes. Dans un stade en Belgique, un autre stade même en France ou en Espagne, soit encore U Arena, un peu partout, je crois que cette annonce sera la bienvenue. Donc nous voulons que ce soit une très bonne annonce, un très bon concert, dans un lieu aussi où ils appellent prestigieux. Batebele, bah aussi Penabango. Alors si c'est U Arena, est-ce que ça sera si c'est U Arena, oui, ça sera bien pour tous les mélomanes congolais. Alors pour mais non, 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 pas pour certains. U Arena pour les Congolais, ils arrêtent d'actualité. Ok. Parce qu'il y a un seul artiste qui l'a joué, c'est Fally. Ok. Mais après Fally, jusqu'aujourd'hui personne. Exactement. Parce que les défis aussi étaient lancés que non, avait tapé 40 000 places. Ok. Soit relevé défi Wana, c'est le Congo qui gagne. C'est ça. Donc, Kofi voulait jouer U Arena en premier. Ça n'a pas tenu. Fally a profité à Beta. C'est ça. Mais tu t'avais dit que Fally est le premier à le faire, mais il n'est pas le dernier. C'est ça. Exactement. Il est le premier artiste congolais à le faire, mais il n'est pas le dernier artiste congolais. À le faire, oui. Donc, d'autres aussi, ceux qui vont se préparer à Bango, ils peuvent le faire. Okay. Donc, si Ferigol avait fait U Arena aujourd'hui, et on attend la lance, et Rosala, c'est encore une fierté pour nous, les Congolais. Okay. Parce que ça, on a un peu de temps à monter. C'est ça. C'est ça. Il y a des Sénégalais qui ont été dans U Arena. C'est tout le monde. Congolais à Brazzaville. Il y a des Angolais qui ont été dans U Arena. Peut-être Nigeria, Ghana. Hein, tu vois, bah, pays anglophone. Mais en Afrique francophone, ils ont un défi. C'est ça. C'est tout un défi. Ok. Donc, si Ferigo, là, aujourd'hui, tant que Congolais, il veut nous annoncer U Arena. Mais c'est une fierté pour la musique congolaise. Exactement. Donc, ça fera deux Congolais dans U Arena. Toujours mené déjà. Bah, depuis de même génération. Toujours mené à bah, payer Bélé. C'est ça. Donc, bah, Congolais, bah, en a fair play. OK. À cœur ouvert. Dans un très bon état d'esprit. OK. Toi, accepter, on peut toi acclamer. Voilà, voilà, bravo à Ferigo, là. C'est ce que nous voulions tous. Okay. Donc c'est ça, merci beaucoup. Alors merci beaucoup Jérémy Lumba. Revenons un peu, ce qui s'est passé pour le week-end dernier. L'artiste et musicien Fally Poupa, Azaki na Goma, Nenge annonce à Bisso, qui a roubé ta concert na Goma. Bah, date, voilà, c'est vrai que Zaka a reporté pour na Bamikole Koya, na mois d'août, bien évidemment, il avait annoncé et il a aussi respecté Nenge annonce à Bisso, à Kenda qui quand même Goma. Le premier jour, il a joué son concert VIP na Kati à Isika Oyo Batuba Yambaki. Alors le deuxième jour, c'était prévu que l'artiste ait tapé concert na Kata Stade. Subitement, concert Zaki a annulé sans pour autant bah, annoncer Batuanamo. Ils ont quand même laissé les gens venir de 16h à 19h. Après, toutes ces personnes-là, Baromiko Bamabanga, sous prétexte que le concert a été annulé, mais il n'y avait aucun communiqué qui n'a été publié. Je ne sais pas. Comment vous pouvez analyser tous ces faits par rapport à Yamakambo Fally, à Kendeko Sana Est?
Bon, ma cela est, je crois que concert est fallu na est. Ça a déjà été annoncé, je crois, un an. Galissou libumu ezalakate, otikala lingundu libumu munene. Talaji oya décrassement, soko meliango libumu plat net kuto botate. Ebongo kote ba papa. Boye bake pona ba kolongondo bwa kundu bwa nzoto bwa yo. Yebake bazali na kisi ya force. Heye! Mukolo nzoto, yangonde kisi ya solo solo, mukolo nzoto aye. Yangonde zali kosunga nzoto ya bapapa, pote libale zala elengi pe supu na nivou ya defuate. Ezali ko traite maladi lokola, impuissance sexuelle, ejaculation précoce, hémorroïde. Oza mobimba awa na mukolo nzoto, ezongi si nzoto na yo, mobimba na force ya defuate. Okanisi mama Mika suki wana, ten, che mama Mika, azo traité lissousou, stérilité, diabète, nerf sciatique, tension, myome, chauffement matrice, débouchement trompe, na hernie, mais yaba sorte nango nyonso. Po na bandeko oyo, bazali na ba santé déséquilibré. Onga na bela ka beri beri, mwana na nganzo tezali pe na pete pete alembaka pamba pamba, yeba ke awe zali na ba boui, 100% bio, ton nganzo to na niveau ya nyama, pote nzoto na yo, Eza la pena kolongone ya solo. Soko meli poto poto oyo. Okoza la mubimba. Pe sante. Elengi. Neti kaka na lola. Kote kosmetik ebiso Mama Mika. Reparatrice ya lo poso. Po. Ni voisa ko traite banzoto ya basi pe mibali. Palado madame, palado messier. Bazali na ba produit lokola. Huile d'anana. Savon anti nduta. Anti tampon. Anti tache. Yangonde mubimba. Bazali pe lisusu. Na crème de beauté. Temetis. Ozongi pembe chéron et puis lisi ya nyama. Gommage, bazali ko salango kitoko joli. Pomade ya suki, plus huile. Pomade vimbovi, pona ba papa. Oyo bazalaka Dimitri kuna na bayendisa. Bango bako bonga kitoko po. Azonga penda mubimba, loko la mubali ya solo. Bazali pe na crème réparatrice, anti-vergeture. Pona basi nyonso, bazali na ba problème na banzoto. Eko sunga bango makasi. Kasi tuna ngai nini, ba kisyo nyonso ezali ko traite batu, ezali sans hydroquinone. A akutu, ata ya mukele kete ya hydroquinone, ezate pe ezala kate. Soki olingo benga, Maison Mika Cosmetic e Business Bio, okogi kozwa bango na veni pozo, numéro A17, quartier Matonge, na komi na kalamu, référence, kabini ya courant. Topo koko benga bango na numéro ya telefone oyo, plus 243-89-98-27-674. Tala, bako sabinote, Maison Mika Cosmétique et Business Bio. Awa, 100% bio, pe sans hydroquinone, naba produit nabango nyonso. C'est naturel. Ça a été reporté. Pas un an passé au début de l'année. Bon, il y a quand même longtemps, quelques mois, le concert a été reporté. Vous savez, dans la vie, on est forcé par la nature. Ah. On est forcé jamais la nature. Okay. Quand ça ne marche pas, il ne faut pas vouloir toujours forcer. Okay. Surtout l'amour, on ne le force pas. Okay. Bon, l'isolo bato est kuna yobi ki est za teremongo bandeko ba subir l'agression, la guerre injuste imposée par les puissances mondiales, par nos voisins, par l'entremise du Rwanda. Ozomona ke Bandewa Este, dans un état d'esprit moussousou, qui est bisso, au dos de différentes villes du Congo. C'est ça. Parce que Bazo Koufé là-bas, Boti, Bana, Mibali, Basi. Vous comprenez? Bah, blagarate na territoire na bango. Exactement. Nos artistes et musiciens sont des businessmen, c'est ça. Les affairistes. Sont dans une contrainte avec Obeta. Mais, tant que Bazo est leader d'opinion, ça là ba émission bazo livrer ba concert un peu partout ne fût-ce que comporter la voix de l'Est à travers leurs événements Kolobe la Rabitumba Est le rendre hommage compatir avec eux ne l'occupe ça à moi qui m'en mettait ma bandeau bana Est c'est ça. Alors ici au Congo au mon ami Fire nda sala ngo sou okay. L'artiste Fire go là sont concernés à Oya. Il y a ça des martyrs. Il rend toujours hommage à Bandeko Est. Sorosu francophonie. Devant les autorités étatiques, l'artiste est fait rigolo.
a compati avec les habitants de l'Est. Sur le Didas Arena, na entrée à Ferregola, il a commencé par faire un clin d'œil spécial à Bandegwa Est. Donc, l'artiste ne vit pas à Goma ni encore à Bukavu, mais en esprit, il communiquera toujours à Bandegwa Est. Ça. Il communie avec ces gens-là. Alors, on a fait beaucoup de chance de livrer des concerts à Goma, à Bukavu. Les gens l'apprécient de loin, l'aiment aussi de loin. Mais d'autres artistes, ça l'a net moins semblant. C'est ça. Comme si la guerre n'existait. Non, comme si. Bah, donc, en fait, comment dirais-je ? C'est comme si ça concerne que les politiques. C'est comme si vous parlez de l'Est, on dirait que vous parlez de la politique. C'est ça. Donc, parce qu'on ignorait Nabango Masolango. Mais après, au moins, on a posé ça au bête à concert, Kuna. Carrément, on va te chasser. C'est ça. Carrément, tu seras chassé, humilié aussi. On avait suivi un projet, pareil, que l'artiste devait construire une école là-bas. Ok. Oh, soit que Goma a inauguré l'école. Or, qu'il y a Kende a lancé. Construction. Construction. Et l'école. L'école n'a jamais été construite. C'est ça. Il voulait aller et commencer un projet. C'est ça. Vous comprenez? Alors, la bonne manière, c'est l'humilité. Comme quitte ça, quoi bah recevoir bande quoi est-ce? Moi pardon, pesar important. C'est ça. Bah font la mité ma, bah accepter yo. Donc c'est ça. La vie est simple. Ne compliquons pas la vie. La vie est tellement simple et je crois que c'est comme ça que les choses doivent marcher. Ok. Alors Jérémy Lemba, parlant de ton analyse, na lingina meka ko partager un peu moi point de vue, je ne sais pas ce qui peut-être ko partager à onanga ko yembela ba ndeko ya est ba musicien na biso n'ont vraiment pas l'habitude de le faire plus tout le monde a fait rigolanda ça là wera pa yemba alors wera yemba mais aya ka pendal sou ko martelé te ke a betara li solo na o sete na ba concert na ye et tout mingi to mon affaire na ba concert na ye alors que batuba lo bara na biso à chaque fois que cette guerre de l'est ils allera plus politiser ils allera politicien ma politique ne bara na sima ya guerre est-ce que quelque chose la paix l'une des causes ya combat ya faire ego la terre na ba autorité en boka na biso parce que azar retirer plus attention à batou sur ce qui se passe à l'est yango ba zo dinga ba fina ka parce que zo ningo la sake yenda tan na motema ya compassion que les politiques ne le font pas. Bon, ils ont idée au PSI, mais s'il y a un groupe de politiciens, soi-disant congolais, qui peuvent, je dirais même, comploter contre un artiste, parce que l'artiste défend mieux les gens de l'Est, c'est que ces politiciens-là, ils sont traîtres, c'est ça. Parce qu'un bon patriote doit toujours aimer et défendre sa patrie. C'est ça. Donc, si le Congo n'évolue pas aussi aujourd'hui, l'une des raisons, Ali, cet esprit à trahison. On est Congolais ici, on bénéficie de l'argent de l'État, mais vous avez comploté dans votre ennemi. C'est ça. Comment est-ce que le pays va avancer? Ça n'avancera pas. Et bon, on attend la présidente Fatih Boué, l'homme parle, l'homme décide, l'homme promet. Il arrive parfois sur terrain, mais il travaille avec les traîtres. Beaucoup sont là pour avoir des bénéfices. Les jeunes, Constant Moutamba, la justice et garde de Sceaux, pour qu'ils aient traqué Bango. Un traître, sa place, c'est en prison. Sauf qu'il y a un bon mango. Centre, il y a une formation militaire. Il y a une pancarte à mon nom. La patrie ne pardonne jamais aux traîtres. Ok. Qu'est-ce qui boumango? On entre qui boumango? Bah comment? Bah tango ya bleu. Ok. Bah comme la patrie ne pardonne jamais aux traîtres. Ok. Et on monte musique avec la lobaka. Ne jamais trahir le Congo. Ce qu'on a traître en Boka. Pardon, zara liwa. C'est ça. Parce que c'est inconcevable. Okay. C'est inadmissible. Ok. Tu te dis fils de ces pays, yomoko li susu, oza susu na complicité na ba ennemi, babo ma bande ko na yo, donc oza na o Satan. Ok. Zo mona, yomoko ba konza mboka ba zo souffrir.
Il faut une nouvelle génération de personnes révoltées, de véritables patriotes, pour faire avancer le Congo. C'est ça. Tant que le ministre dans le gouvernement, il y a maman Judith Soumino. On parle que de Constant Mutamba. C'est ça. Un jeune de trentaine d'années. C'est ça. Tata, on a tout, on a un commerçant. Ok. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. On parle de lui partout. Et puis, on a abnégation, détermination. Il parle avec fierté, avec courage, qu'il n'a pas servi au Moka. Est-ce que le président a papa, il a travaillé. Toi, sur un constant, dans l'économie, dans le budget, dans la finance. Aux yeux, sur la jeunesse. Jeunesse et sport. Dans la culture. Mais tu as boosté mon bocad. Avec ma casse. Tu as boosté mon bocad. Quand tu as pensé que la RDC robe dans le pays riche. Parce qu'au moins, la décision est bien, la idée est bien, la télévision, quand on a mis, mon bocad peut changer. Président Fatih, quand on a nommé Bissot, on a posté clé, tu as géré mon bocad, la jeune Bissot. Les traîtres ne pardonnent jamais aux traîtres. C'est-à-dire que son tobi réveille ce monsieur. Réaction à bande de Koyagoma, ils allaient vis-à-vis à affichage, il a fallu pour pendant Macron, il y a monde ça là peut-être que bako kabongo ko ina une amitié ma parce que connaissons parmi ba pays où ils appellent Koluka Kondeye, la République démocratique du Congo dans sa partie il y a est France mais là ko figurer. Bon, déjà au moni tout est communication. Okay. Vous comprenez? Photo, on a Macron, on a l'artiste de mon pays. Et puis, bah, photo, on a Kagame, on a Oye Sirkila. Quand on a été là, on a été écrit en arabe, Zizani, tout ça. Ça a mal vendu l'image de l'artiste, la partie est. Il doit être conscient de ça. S'il est humble, il faut quand même un jour à s'expliquer. Mais à fin du coup, tu vas TikToker à Goma. Aboudé, TikToker à Goma. Exactement. Non, TikToker à Goma, c'est un influenceur. C'est ça. Tant que tu rappelles à Goma, tu as la photo, tu as l'image. Bon, ce qui est l'image, c'est qu'on définir le contexte. L'artiste, avant de livrer un concert à Goma, en principe. Il devrait commencer par s'expliquer. Il devrait commencer par une conférence de presse à Goma. Ok. Batoto à Goma, me voici naïe pour tel but. Je vais faire ça, 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 ça. Et il y aura des gens qui vont toujours poser des questions concernant la photo avec Kagame, avec Macron. C'est ça. Et Yomogo Sugoza mieux placé, il y a quoi expliquer, défendre. Non, et puis présenter ses excuses. Voilà. Simple. Non, non, tu vas d'abord leur expliquer les contextes et la rencontre Wana. Okay. C'était dans tel moment, voilà, voilà. Et puis, ce qui est moyen de s'expliquer, toi, aussi demander pardon, tu le fais. C'est ça. Pardon, c'est la puissance qui libère. Pourquoi pardon, comment le roi en est-il charge Paul Obara, pardon. On dirait qu'il est ici. Au moment où le roi en est-il 1000 kilos, quand on l'aide d'arrogance, hein, il est grandement mingi. C'est ça. Pour demander pardon, tout ça, bah, il met. Exactement. Nous sommes des mortels. Il faut demander pardon quand il faut. C'est ça. Donc, c'est un peu ça. Il devait commencer par une conférence de presse et puis à poursuivre chemin. Alors, Jérémy Lemba, merci beaucoup. Tu as dit que tu as dans l'émission. Ce qui se passe au niveau de Poto, c'est qu'on a dit que journaliste un peu menacé. Il y a un peu de bébé, et il y a un peu
clic il y a bah toi fallu parce que bah mon là qui fait gagner la merveille au lieu peut-être que n'engambo y a artiste bah qu'on cabongo qu'on déplore yango bah c'est dissocié là bah toi ça bah actuellement mais tout le monde fiston colloqué qui s'est dit le frère a fallu ou pas il est aussi parmi les gens qui l'accompagnent dans sa musique habite au bando beta bah on carabongo ses comportements vis-à-vis de bah pandisango alors que la guerre musicale est loyale. Bon, ce sont des choses que j'aime pas beaucoup commenter. Mm-hmm. C'est trop bas. Okay. Ce sont des débats de caniveaux. Mm. Bon, un artiste qui s'est dit entouré par des bonnes personnes qui font des choses comme ça, moi je pense que. Il y a 11 mois, tous les internationaux, mais tous les gens qui ont percé. C'est ça. 11 mois, les Congolais sont internationaux, ils sont limités. Ok. Ils ont le football, ils ont la musique, ils ont la politique. Ok. Tout ça, collé l'imbécilité, moi, boy. Ils ont une identité dans Bissau. Congolais, ils ont moi image, moi, Bissau, mais quand on Bissau, dans d'autres. Rare. Pour faire l'exception, bah ça rare. Fiston colloqué, comme tu l'as cité, je crois, il n'a pas raison de dire ça. Parce que na campé a fali, bah insulteur, bah ça est belé. Bah voyou, bah c'est belé. Na quand on a pe. Donc, déjà le banaki chassa. Avant l'on hypothèse moninga. Non là non. Non on a eu moko. Donc tant que bozara na gata bah bozo bah poto poto wana. Quand débile nous salera, ni peine nous bah répliquer. Ok. Et lors et ça est dérangeant bango, ils a force oyo. Bandeko ba golo ba koma nango c'est ça omoni automatisme on a ba golo ko répliquer contre ba ta fali et surprenant bango okay. Pour il fallait quand même dominant son ezalakaka exister maintenant si quoi les choses évoluent et tout a changé il n'a pas raison de dire que banobeta bato ba beta basi na bango ba beta baleki na bango et tu verras que ça il faut l'état quand même à s'impliquer dans ça et ça, nous, en tout cas, moi, j'aime pas la violence. Okay. Bas à la polémique, mais à la non-violente. C'est ça. Ça sera la meilleure des choses. Okay. Pour Babi Tumbawana, il va risquer de se faire d'autres vont faire la prison. Et parfois, les artistes ne sont pas au courant. C'est ça. Donc, si vous voulez, si vous aimez les artistes, faire tout comme Fali, aidez-les par des bons conseils. Exactement. Ne venez pas flatter que Narobeta Moutou, Narobuka Moutou Loboko. Après, ça va changer quoi? Parlons de la musique, des concerts. Nous avons fait faire avec Asuna Luanda le 28 septembre. Le 28 septembre, oui, na Bahia, na Katia Luanda. Et la place Moro historique. Et la place Moro très convoitée, les Américains jouent là-bas. 40 000 places. Hein. 40 000 places. Oui. Donc, faire avec Asuna Yuare na Luanda. Ils ont une esplanade. Ok. Donc, je pense que Ferré a tout intérêt de capitaliser toutes ses chances. Ok. À bêta bêta. Après Angola qui est parti à Dubaï, c'est ça. Bah Namibie, bah Afrique du Sud. Hein? Donc c'est son temps et époque naïe. Et chacun a va. Fallait pas avoir concert en France, hein, on dirait. Exactement. France. Dans le mois de novembre. Voilà, donc c'est ça. Chacun a bêta. À ça la carrière. Et ça pour na loku mambo. Alors Jérémy Lembat aussi dit. Héritier Watanabe, le 21 septembre à niveau il y a la scène musicale à Paris. Héritier Watanabe, je crois que le jour reste à compter. Tu as compté le jour, tu dois. Soit serein, soit déterminé, soit concentré. Bas Spiritas, rêvez-vous, c'est le moment de s'approprier des billets. Vous avez des billets en tout cas. Ce n'est pas que tu as combien de deux jours il y a concert. Mami, mami, caca, non, c'est pas du tout bien. Ouata, comme je le dis toujours, que il a raté l'opportunité de jouer aux Olympiades de Paris. La faute, vous le savez, est à cause de mauvaise foi, bah, congolais, diaspora, bah, combattant à l'époque. Et aujourd'hui, vous avez l'occasion de jouer dans une salle très belle, très présentable. Et bah, congolais et belé, bah, ils ont besoin de musique et bêta. Donc, Héritier Watanabe, saisissez très bien cette opportunité. Il faut faire une très bonne sélection. Yemba, Bina, Sepe Saba Congolais, je crois que ces concerts sont réussis. Ils ont le rôle à, comment dirais-je, ça va encore booster,
ça va encore faire décoller beaucoup de projets. Okay. Et voilà quoi. Voilà. Boga, courage à tourner ensemble. Un mot par rapport à dossier de collaboration Mimi Tshikeva. Bon, Mimi Tshikeva, je ne l'ai jamais connue, mais tu es bien à travers les chansons, à travers les artistes et musiciens. Bah, ça, ma mère, ouais, diaspora, puis nao, bah, yébana. Ok. Bah, on a bah, l'oreille de compresseur, bah, tabou fatou, nao, à koufara, on a la congolaise. Bah, Loris, la congolaise. Ce sont des figures, ou yébana, yébana. Ma mère Malou. Ma mère Malou. Bah, ça, bah, tout, bah, aider, bah, artiste, bah, aider, bah, comédien, bah, aider, bisou, presse. Bah, bah, mécène, au fait. Ouais. Baba Tonabiso, donc au père son âme, j'étais là, dans ma tête, pas dans Bango, chez leur père. J'étais aussi à Lemba, chez leur maman, parce qu'elle habitait dans les deux familles-là. Mimi Tshikeva, père son âme, hein. Elle est partie encore, je dirais tôt aussi, hein, parce qu'elle a une jeune maman. Jeune maman, elle pouvait encore vivre encore longtemps. Bon, Nzambe. Eh ben moli monaye. Mais évidemment parce qu'il y a il fonge. Jeff fonge. Jeff fonge. D'autant Molabi qu'il avait déjà prédit la mort de cette dame. Est-ce que Bazali a problème na Jeff fonge yango yango le barbou. Il y a le mec qui a kabona fallis noto okufa. A kabona fallis na zomo na liwa. Jeff fonge na pesi mbo TV na biso. Bon ya zarape mission moi pasteur. Azami c'est pas kufa. Bon. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Bon, il avait dit ça, on dirait ça fait 3 ou 4 ans passés. C'est ça. Et puis le loi Koufi, bon, mon histoire est bâti peut-être. Vous pouvez aussi s'écarter dans le milieu musical. Et parce que, moi, à où mêlé Péwana. La meilleure manière, il y a ça, il s'est appelé quelqu'un en privé, lui dire, pour le pourquoi il doit quitter Fally et tout et tout. Lancer le message comme ça à la télévision, c'est vague. Certaines bon, au moins, le milieu musical, ils ont la réalité belle. Baza Bato, où mêlé Mingi dans le milieu. Musique, 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 oui, c'est bon. Tant qu'on a la paix, ils allaient rappeler mon malam ou quoi, y'a pas peine Zambie. C'est ça. Hein, pour battre la banane, on battre la coco. On battre la paix à Yovi. Battre la paix à Yovi. Donc, chaque chose a son temps. C'est ça. Il y a un temps pour les divers, un temps pour la vie, mais il y a aussi un temps pour se concentrer aussi. C'est qu'il y avait quand même des distractions. Exactement. Pour attendre tout ma famille. Si on écoute, on peut même au Lenda, au monde attaque, mais aussi au Simba Moli Mouté. Au Simba Oté. Au Simba nous autres, mais Moli Mouté. Voilà. Mais les milliers d'autres fréquentés, ils font la porte belle. C'est ça. Et surtout, les Africains, les musiciens, ils sont sans pitié. C'est ça. Tout le but est que les gens sont musiciens, mais il faut tout y aller. Mon maman Moko a rappé, mère Malou, non. Mère Moko, maman Chagui Charoufa. Ok. Ma mère paye milliers à la Belgique ou en France, tout ça. Maman a sombané éternel, mon nez à l'antile. Ok. A tigane poto, aya ko se concentrer na ya sala église, a bongola moutema. A tika ba wenge, a tika papa wemba, a tika tika. Elle a compris que j'ai servi le monde, c'est le temps à servir Dieu. Dieu. N'a préparé. Royaume de ciel. Royaume de ciel, nana. Maman a ou d'alinga, en soumama musique, c'est ça. Parfois, elle fait des émissions, mais trop rares, à ça, bon, ma santé médiatique. Elle a, donc, en fait, elle est convertie. Convertie, je crois. Donc voilà, c'est un habitude de Ming Bana pour toi. Bon, ça m'a dit, bah, TikTok. Bon, on l'a mis thème. C'est ça. Ce n'est pas mauvais de soutenir un artiste, émissaire, d'avoir peut-être une appartenance, mais il faut aussi. Ce n'est pas aussi mauvais de vouloir seulement la vie. Bah, bon, on l'a fait mon thème. T'as la famille, t'as l'âge, t'as la banne. Tindiga Tiakal. Alors, merci beaucoup, Jérémy Lumba. On est vraiment à la fin de cette émission. Un mot dernier. Et puis, bah, mon mission. Dernier, je dirais merci à tous mes vrais. Hein. Mimi Ndoumé, depuis Mouchinglaba, Mimi Ndoumé, très forte. Merci pour tout. Les célèbres Dienzundu na Washington, grand frère propre. Les célèbres Dienzundu na Washington. Keke Monama de Paris. Yalu Zombala de Madrid. Je pense à Gérard Sadam de Manchester, mon vieux. Pourquoi pas aussi faire un clin d'œil spécial à Sema Mayasi, femme légitime, agency Mayasi, Forza Italia. Et aussi, je veux remercier mon président, Pedro Mutu, leader à jeunesse, association Main dans la Main depuis la ville Fontaine, mais aussi partout en France, André Pedro Mutu. Le vieux Justin Panzou, le grand Mouyombe à Londres. Il y a Justin Panzou, le grand Mouyombe à Londres. Pour finir, Maître Sisa Soukama, puissance ami Kili.
Le monde tout fou mousing Jean-Claude chef coutumier à Paris. Bandeko nyoso bolinga biso papa si la nzanga na France. Papa si la nzanga na France. Que Dieu vous bénisse. Nous sommes là, on continue à travailler, priez pour nous, soutenez-nous. Et je crois que ça ira bien. Donc merci. On est là. Merci à ton ami. Alors merci beaucoup à vous tous.